Shalom bien-aimés, nous vous souhaitons la meilleure condition d'écoute de cette prédication enregistrée à l'église francophone Sebeko Kitambo à Kinshasa, RDC. Que Dieu vous bénisse. Béni sois-tu pour ta parole que tu veux nous adresser ce matin. Merci pour nos cœurs que tu as préparés, Seigneur, afin de la recevoir. Merci, surtout parce que c'est toi qui gères ce temps et parce que tu as déversé dans la salle, Seigneur, la conviction qui vient de toi. Merci de nous aider à comprendre ta parole, à la retenir, Seigneur, et le moment venu à savoir aussi la pratiquer pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous accorde donc l'opportunité ce matin de pouvoir vous parler de sa part et de pouvoir écouter sa parole. Ce Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous parle. Parce qu'il veut, au travers de sa parole, nous enseigner, nous instruire, nous convaincre, afin que nous soyons accomplis pour toute bonne œuvre. Amen. Voilà, nous tirons le message de ce matin de Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Matéa tongo na lelo tozi yango na mokanda ya ebandeli Genèse chapitre 1 tokotanga kobanda verset ya mboki non na verset ya mitano. Genèse chapitre 1 verset 1 à 5 et puis verset ya mibale tokotanga yango na 1 Jean chapitre 5 verset 12. 1 Jean, chapitre 5, verset 12. Nous commençons par le premier texte. La terre, pardon, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Mais maintenant, il y a un verset 2 qui dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 1 Jean, chapitre 5. Verset 12, 1 Jean chapitre 5, verset 12, 1 Jean chapitre 5, verset 12 dit ceci, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Au commencement était Dieu. Il y a un thème que nous avons exploité et c'est le thème que nous allons exploiter durant toute l'année 2015. Nous avons fait l'introduction l'année passée, et le dimanche passé, pardon, et nous croyons que Dieu nous a aidé déjà avec cette introduction de comprendre un peu sa pensée. C'est que Dieu veut que nous apprenions au courant de cette année. Et nous croyons qu'avec son aide, parce qu'il est là, avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va nous aider
à comprendre sa parole, à la mettre en pratique et à vivre ses bénédictions. Parce que la parole de Dieu, comme nous l'avons dit la fois passée, est utile pour convaincre, pour corriger, pour enseigner, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. La parole de Dieu nous accomplit. Et kokisakabiso namakambonyonso malobananzambe kokisakamutu. Pote oyeba kozala na bozalani ya malamu kati na mokili. Alléluia. La parole de Dieu nous accomplit afin que toyeba kosala nzambe ndenge ye alingeli. La parole de Dieu nous accomplit pote bomoyina biso yeba kosepelisa nzambe. Au commencement était Dieu. Et la fois passée, tout le monde qui parmi les points que vous développez, la première place dans nos vies. Donner à Dieu la première place. Parce qu'au commencement, c'était Dieu. Alléluia. Nous avons dit la fois passée, bien aimé, que vous savez, il y a bien de choses, les lots. Je suis belé, je suis bato, je suis domaine, je suis tout le monde, je suis marché. Na bomo ya ba Christo ebele. C'est parce que toi yeba kité na ebandeli koti ke la nzambe et sika. To le bagion la fois passée, vous savez que mingi to hérité mabota o ezali que au départ au commencement c'était la sorcellerie et bandeko ba koko ya ba koko na biso ya kala ba sacrifia ba génération ya ba koko na bango ebele ya sima. Et mingi bazo vivre lelo ba conséquences ya makamwana tout simplement parce que le commencement n'était pas bon. Et par ce sous-thème, nous voulons dire aux enfants de Dieu. Nzambe azo esika ya mbona vie na biso. Pe nzambe azala ebandeli ya makambo na biso nyonso. Il y a un monsieur qui s'est évertué à un exercice. Ami pesa ki exercice moko, il s'est dit, je vais un peu calculer combien de temps donnons-nous à Dieu. Azaki mo Christ azaki koluka koyeba place nini vraiment ba Christ otochaka nzambe. Il voulait se rendre compte si réellement Dieu occupe-t-il la première place dans nos vies. Alors ça là qui exercice moko très intéressant. Même si sur le plan scientifique ba élément nion sopenze ali ko se réunir te, mais il a fait une recherche comme ça et qu'est-ce qu'il a fait? Alobi azui l'âge d'une personne oyo akufi à 70 ans. Et alingi koyeba quand une personne atteint cet âge-là ou qui termine sa vie à cet âge-là, na makambo motuya to salaka, combien de temps avons-nous donné ou avait-il donné à chacune de ces choses-là? Alors, il a pensé par exemple na tango ya pongi. Tout le temps que nous passons na sommeil, il a pensé au temps que nous passons devant la télévision, le temps que nous passons à manger, à voyager, le temps que nous accordons à nos loisirs, le temps que la maladie peut aussi nous prendre, le temps de nous habiller et le temps que nous consacrons à l'œuvre de Dieu. Ce qui aux oaka 5 minutes pour lire, à calculer on a 70 ans, tu prendras combien de minutes? Ce qui au là pendant 8 heures, c'est cet exercice-là qu'il a fait. Pendant 8 heures et pendant 70 ans, au là qui pendant combien de temps, combien d'années? Résultat, c'est quand même étonnant. Il y a souka par rapport au temps que nous accordons à Dieu. Alors il a trouvé ceci. Quand quelqu'un atteint 70 ans, à Salek Exercice, il a trouvé que cette personne-là a passé au moins 23 années à dormir. 23 années à Pongi. Sokozu 8 heures, règle de 3, même on a 70 ans, tu vas te retrouver que Moutou, Oyakomina Aja, Sokozu là normalement, il a passé 23 ans à sommeil.
vous comprendrez, 23 ans. Alors, as-tu maintenant le temps que tu passes à regarder la télévision? D'abord, le travail. Tant que tu as un moussala, tu as trouvé 16 ans. Donc, nous passons 16 ans. Le temps où tu as 70 ans, tu as 70 ans, a passé à regarder la télévision. 8 ans. Deux ans, la moto banda bota maki a fandi li bosoa télévision à Longwakate. Tina aja 8 ans da Tiki TV. 8 ans devant la télé. Tant yakolia, il a estimé ça à 6 ans. Moutou a sali 70 ans. Il a passé 6 ans na table. Aliaka, 6 ans. Tout ça pendant la culture à ba voyage te. Mais les estimations étaient faites par rapport naba occidentaux. Moutouana passa qui au moins 6 ans aussi yaba voyage. Ba loisir, nous n'avons pas aussi souvent cette culture là, mais il a estimé cela à 4 ans de loisir. Et moutouaza qui peine à santé à malam aussi, de temps à autre il est tombé malade, il a estimé cela à 4 ans. 4 ans de maladie. Mine de rien, Kolata n'a 70 ans, il y a 2 ans. Tant Ozoaka Kolata, 2 ans. Et Yasuka, tant Wakomi n'a pas estimé le nombre de temps que nous passons avec Dieu, il a estimé cela à 6 mois. Selon ses calculs, il a trouvé 6 mois seulement. Et ce que tu as calculé, il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire au courant de la semaine par rapport aux activités de Dieu, qui ne viennent que le dimanche. Hein? Après le dimanche, ils n'ont plus rien à faire pour le Seigneur. Donc, pendant toute la semaine se compose de combien de jours? C'est 7 jours. 7 jours fois 24 heures. Donc, au moment que mon clisoana azwaka seulement 2 heures qu'il consacre au Seigneur, 2 heures. Zoa 2 heures ou maintenant, même en 70 ans, c'est possible qu'on retrouve quelqu'un. Il va faire pendant 70 ans devant le Seigneur que 6 mois. Alors, conclusion Naya Lobi. Alors, il attire l'attention des chrétiens. Alobi, par ces petits calculs, vous pouvez comprendre que priorité à Batouza mingi makambo mususu ke nzambe. Batoué belé ba ébité kopé sans nzambe place naye ya yambo dans leur vie. Alors que quand nous étudions très bien la parole de Dieu, nous allons découvrir que pour ça nzambe bien-aimé Zali qui occupe la première place dans nos vies. Pena likambo nyonso tolinga ko sala que Dieu aye bakozwa place ya yambo. Pourquoi Dieu veut-il cela? La réponse est brève. Parce qu'il est la vie. Tout ce que Dieu cherche, nous avons dit cela la fois passée. Tout ce que Dieu cherche, nabomo et nabiso. Toute cette parole, la parole de Dieu, Zwango Banda Genèse chapitre 1, et in Apocalypse ya Souka. Cette parole que Dieu adresse à l'homme n'est autre que pour son bien. Alléluia. Et là, on s'en va l'ingi yangoana. Dieu veut que tu puisses aller place na ye yambo. S'en va l'ingi toi impliqué na nyon soto zo sala. Pourquoi? Pour que ye aye bako pe sabiso bomoi oye outa ke paye na ye. Le récit de la création bien-aimé, ezola ki sabiso clairement ce que Dieu veut. Un frère de l'église m'avait posé une fois la question de savoir. Il dit, pasteur, quand je lis le premier chapitre de la Genèse, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Bon, qui a créé cette terre-là qui était informe et vide? Parce que la création, après, quand finalement Dieu va dire que la lumière soit.
Alors cet abîme-là, cette ténèbre-là, cette forme-là, cette forme-là de la terre, et ce vide-là est venu d'où? Parce que rien n'existait. Alléluia. Vous savez, nous avons besoin de bandit au salamokile. Dieu a voulu qu'on nous raconte l'histoire à partir de là. Mais moi, je crois, en tant que chrétien, je crois que cette forme-là, cette terre-là, informe et vide sortie de main de Dieu comme ça. Celui qui a voulu dans un premier temps que les choses soient comme telles. Vous savez pourquoi? Nous avons quoi qu'on bande à Golobambala, mon côté na la parole que à Kelly Mokili, que dans le vide comme ça est mort. Non. Il a voulu par ce récit. Yakola Kisabiso, Nguya Naye, Nalolenge que dans un premier temps, dans sa souveraineté, il avait voulu que la terre ait cette forme-là. Et celui aussi qui a voulu que ça soit vide. Et celui qui avait voulu aussi que l'esprit n'aille pas qu'on mouvoir sur cette terre qui était informe et vide. Alléluia. Pour que finalement, avec ce qu'il est et ce qu'il a, il peut faire vivre quelque chose aux anabomoïtes. Il peut communiquer la vie dans les camps et zangibomoï. Dans sa souveraineté, il a voulu cela. Parce que nous devons savoir, le principe est que tout ce qui existe a un commencement, sauf Dieu. Donc même cette terre qui était informe et vide a connu un commencement. Et ce commencement, c'était avec Dieu. Alléluia. Donc, nous avons dit que c'est pour qu'il opère dans nos vies et dans chacun de ses aspects ce qu'il a opéré au commencement. Accorder, donner la vie. Alléluia. 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 Bien-aimés, vous savez que créer, et qu'on a qui soit tout simplement arrangé, et qu'on a qui soit tout simplement organisé. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui peut aménager un coin de sa parcelle, et tout ça, et il peut dire que j'ai créé un espace là au coin pour qu'il n'y ait pas mal. Amen. Mais créer veut dire aussi donner l'existence à ce qui n'existe pas. Sortir quelque chose du néant. Mais c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce qu'il est capable de faire dans la vie de tous ceux-là qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés, création, ezola qui s'abisso vraiment puissance et ensemble. Ezola qui s'abisso, maele oyo et leki, maele nyon, sopeza que maele mokote koiko kokananae. Et nzambe na lolengene ako sal, a saliete du néant. A créer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, alléluia, et l'inco apprendre une chose. Tango tozo ya kati na mokilio, tango tozo bota ma kati na mokilio, tozali informé vide. Nous sommes naturels, nenge tobotami, sans Christ et sans vie de Dieu en nous. La fois passée, vous allez m'excuser dans l'obéla qui expression oyo. C'est un mot aussi qui est copté en français, le tohu-bohu. Ça d'origine hébraïque. Et où tu as hébreu, tohu-bohu. Informe vide. Yangwezo la qui se loko nyonso o nzambena no simbite. Place nyonso nzambena no kotite.
Nzamba keli moto ndenga kela ki mokili au départ jusqu'à un certain moment il a tenu à tika ki mokili za la informe vide. Et l'olenge moko quand nous venons dans ce monde nous venons comme ça informe et vide sans Christ sans Dieu. Alléluia. Mais nzamba lingi ete comme il l'a fait au commencement oye ba kozwa la vie qui vient de lui. Tolobiango bien-aimé que quand nous naissons sans vie. Nous naissons informes, nous naissons vides. Et Dieu vient dans nos vies par Jésus-Christ, pour nous faire exister, pour organiser notre vie. Yangwana tikana yebiso que toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Yo onzamba zalite na kati na bomoi na yo. L'émission dit que la vie n'a pas informée et vide jusque-là. Alléluia. Alléluia. Ma beauté belle, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, ce que nous avons vivre, tout ce qu'ils ont comme problème, vous comprenez que awa, le monde, la terre est encore informé et vide. Il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes. Vous savez, quand Dieu vous fait grâce, la Bible le dit clairement que vous serez sauvés, vous et votre famille. Il veut que nous soyons aussi un instrument de salut pour nos familles. Beaucoup de nos familles vont vivre dans un état où il y a tohu bohu, informe et vide, parce que Dieu n'est pas là. Et la vie de Dieu n'est pas avec eux. Nous nous sommes engagés dans la misala où ils allaient que Dieu n'est pas là. Vous savez, le milieu professionnel, c'est terrible, hein, vous qui travaillez dans le milieu professionnel, vous savez. Certains milieux, certaines choses qui se disent, bon, c'est un peu regrettable. Les chrétiens, de fois, on est là, mais on se moque de Dieu, des insanités, et nous acceptons, nous cautionnons cela. Mais ça, ce sont des choses qui nous disent que nous travaillons dans un milieu informé, vide, sans Dieu. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, il faut quand même que tout ça ait quelque chose pour que Batoubaye Banzambe, parce que nous sommes à côté d'eux. Avant de devenir pasteur, j'ai travaillé pendant très longtemps comme chef du personnel. J'étais d'abord secrétaire de direction dans une maison et puis chef du personnel. J'étais déjà chrétien. Je me comme sous patron dans la salinga remarque, ici c'est pas une église, nous sommes pas l'église. Vous savez pourquoi? Parce que j'organisais des cultes au boulot. Avant tout banda musala prière. Comme sous le chef m'interpelle, me dit nous ne sommes pas l'église ici. Mais n'a reproché à qui est parce que c'était lui le patron, le fondateur, tout ça. Il était diacre à la CBFC. Moi, je l'ai interpellé. Grâce pour que tu crées cette entreprise. Et yo, en tant que chrétien, parce que c'était une œuvre quelque part, un peu chrétienne et tout ça. Mais ça là que Batoubaye Banzambe au travers de cette activité, ce n'est pas pour rien que Nzamba permettre que yo atteindre ma niveau. Mais malgré cela, il n'avait pas permis. Mais moi, je continue à le faire. Alléluia. Bien aimé côté Kanayo Mombongo, si Dieu n'est pas là, c'est le tohu bohu. Donc comment être informé et vide, même ceux qui osent mona, que ça va. Mais Dieu trouve que c'est informé et vide parce qu'il n'est pas là. Vous savez, il y a bien d'expériences qui nous prouvent que quand nous impliquons Dieu dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de Dieu pour que cela réussisse. Une fois, on a fait ça avec nos témoignages. Une fois, une maman est venue me voir, ça fait très longtemps. Pasteur, je veux commencer à vendre. Il n'a pas d'agoté qu'à passer, mais la lingi vraiment nzambe a pambo la misolo. Côté kanangeza la penza côté kan. Il n'y a pas de problème. Dieu aime ça.
Et je me souviens que quand nous étions en train de prier pour elle, tout ça, il y a intercession, intercesseur Moussousou, Dieu lui dit, j'aime ça. Nalinga Raboué. Bokoti sakanga na makambo na bino. Alléluia. Bokoti sakanga na makambo na bino. Nous avons prié pour elle. Sœur Abandi Koteka, elle a vécu la gloire de Dieu dans votre canaille. Koteka ka amouke. Moi, je suis amouke. Mais nous avons matis. Plusieurs mois après, je suis venu à mon ami, pasteur. Je comprends que je suis venu à mon ami. Je suis venu à mon ami. Oteka boyo sali compte na journée, pas de bénéfice. Er moko bando simba kisina boyebi kisina. Capital. Er moko bando simba capital. Nabi si tu reviens tous 8 jours mususu rendez-vous avec les intercesseurs. Nous allons consulter ce Dieu là qui avait dit que na linga kaboy. Qu'est-ce s'est-il passé pour que makambwe ko makamwa na lolengo? Bien-aimé, tomikoti sina losambo. On a commencé à prier. Na sepela nzambe na biso parce qu'il est le Dieu de révélation. Même ceux qui ont bombé les biso makambo, nzambe akokola kisa biso. Amen. Pe nzambe akokola kisa ope des choses cachées aux akati na bomoina. Pendant que nous étions en train de prier pour elle, il y a eu une prophétie. Nzambe ebisie yoza komituna ke koteka no zo simba soute mikolo. Est-ce que tu peux dire au pasteur ce que tu fais? Soko sisikoteka. La première chose que tu fais, soko sisikoteka. Yebisa pasteur. Bien aimé, c'est un exercice périlleux pour la sœur. Azoko kolobate. Et Dieu insiste. Yebisa pasteur oyo salaka soko sisikoteka na mbongo. La première chose que tu fais. Comme pour dire ce que tu fais au commencement, juste après avoir vendu. Bon, ayoka kibiso soni po aloba. Et Dieu, nzambe emo wabandi koloba. Et puis voilà, je vous dis ce qu'elle fait. La première chose qu'elle fait, soka sisiko teka, a calculé bénéfice nae. Sur le bénéfice, alongolaka d'abord mbongo wa masanga. Alongolaka d'abord mbongo wa masanga botuna yeso ki na kosi bien aimé ba prophétie a soloeza. J'ai toujours répété cela que ba prophétie a soloeza totuni yaya. Est-ce que zandeng wana one o eza ya solo eloko aliboso soka te ki azui bénéfice na ye na bénéfice eloko aliboso pero na bazako lobela trop ko pelisa ngwasuma primus. La première des choses qu'elle faisait. Si qu'on zamba ebisie, olingina continue ko pesaka yo mbongo po kendeke ko melaka masanga. Yangwana na kanga ki mbongo wana parce que na pekisa yo makambo ya masanga. Ba mususu beto zaliawa oto melaka. Alongana ko kamwa ke ba kliso mususu nzamba pekisa bango komela ba mususu a permeta ka bango komela. Alléluia. À cette sœur là Dieu a dit na pekisa yo masanga parce que za yanga. Yangwana na kanga ki poto zo susu occasion komela te. Me soko tiki na kozongi cela yo. Alléluia. Toyu boyu. Bien aimé, venir à battre belé parce que le commencement n'était pas bon. Et ça na toyu boyu, c'est un forme vide. Vous savez, la vie, au commandement de certaines choses, aux hommes on angoisse, ils allent bien, ils allent bien. Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Balaming, c'est pas maintenant que toi tu vas vivre. Ba conséquence y a vie aux hommes. Ba te belé ba zo vivre ba conséquence y a ba vie na bango na souka. De ba komi ko se rendre compte que j'avais commis une erreur. Et souvent quand cela se manifeste na yebiso ke zalaka difficile pour que tu reprennes ta position d'antan.
Vous savez, c'est autant pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tous ça les lanzambe avec le Seigneur? Est-ce que tous ça les lanzambe na makanisi naye? Est-ce que tous ça les lanzambe na posa naye? Est-ce que Dieu est-il parmi nous? Mais chorale, vous savez que vous avez appelé chorale, mais vous êtes toi boyu. Parce que Dieu n'est pas avec vous dans la chorale. Je me souviens une expérience à vie chrétienne. Nanga. Au début, nous avions un groupe d'intercession. C'est une sœur qui nous encadrait. C'était ma mère spirituelle. C'était une dame. Et Dieu l'utilisait puissamment. Tokuta na kan intercession. Et un jour, Dieu se révèle par une prophétie. Nzamba zo ebisabiso que depuis tango boye ti boye nazalaka na binu elongote. Mais biso toya ka intercession. Et ce jour-là, Dieu nous dit que nazalaka na binu te depuis moma boye. Ça faisait je ne sais pas combien de mois. Wana tokanisi batango nyonso to lekisa ki na koganga. Dieu nous a dit qu'azalaki na biso te. Et pourquoi? Le Dieu de révélation. Parce qu'il y avait un frère dans le groupe qui se comportait mal et Dieu s'est retiré du groupe. Bien aimé, ce qui nous a basalé l'ongolou, il y a aux alakatine langanaye, salangwe longonaye, tolobi amen. Tolobi amen. Informe et vide, toiboyu. Tolobaki que ça, momoko d'origine hébraïque. Ce que vous avez dans le dictionnaire universel, vous trouverez la définition de ce mot. Ce mot a été copté en français, mais en mot qui est en hébreu. Toiboyu, en français, c'est tout simplement une situation confuse, un désordre bouillant. Alors, sur le plan biblique, le mot est divisé, est composé de deux mots. Il y a le mot toyu et le mot boyu. Toyu et outi na racine ya momo bazobe nga taha. Oui, la qui si être dans le désert. D'autant on zamba zolo ba que motoaza na nzambete azo vivre na toyu boyu. C'est comme quelqu'un qui vit dans le désert. Bala mingi na Bible, quand on a employé ce mot, c'était pour désigner une terre ou une ville qui était dévastée. Pour qu'on vous fasse comprendre le sens profond de ce mot-là. Une ville dévastée. Une terre dévastée. Job a utilisé ce mot dans Job chapitre 12, verset 24. Quand il dit par exemple, Dieu enlève l'intelligence au chef de peuple et le fait errer dans les déserts sans chemin. Alléluia. Par rapport à Malobaya Job, nous pouvons comprendre ce que Dieu veut dire par Toyu Boyu, par Toyu d'abord. Ali Kolobek, Motoaza qu'on mène vie. Sans Dieu, il est en train de mener vie comme quelqu'un qui est en train d'errer dans le désert. Amen. Non seulement Kazana Katina désert, mais un désert aussi sans chemin. Yangwatikana yebiso que libota na yo sokeza na yesute. Et yebi nzambete, et pa ina nzambe, azo mona bino lokola liboto boza katina desert pe nzele zate pona bino. Alléluia. Alléluia. Choral pe koza lolengwana, intercession pe koza lolengwana, mosala na pe koza lolengwana, qui se retrouve comme dans un désert sans chemin. Et conséquence zanine, c'est la mort. Il y a 4 ans, ceux qui suivent les informations, peut-être ceux qui balandent l'information, ils peuvent se rappeler de cela. Un couple français était perdu dans le désert de Sahara. Et puis on ne les a plus jamais revus. Balouka, balouka, balouka. C'est un grand désert de Sahara. On a retrouvé le véhicule 2 ans, je pense, après. On retrouve le véhicule avec les corps et à moi, Sina Mobali, on a dedans.
Alors la police scientifique a récupéré le corps et puis il a récupéré le véhicule. Il y a un problème ni ne comme là dans le désert. Ils se sont rendus compte que connaissait une panne sèche. Ça dit bah côté qui na désert pour babé ta moi tour puis bazonga. Mais tant que bakoti babungi. Balukanzela kobima batrouvate. Donc babaluka jusqu'à connaître une panne sèche. Ils sont morts de soif et de faim. Bakoufa. Bien aimé, spirituellement, c'est comme ça que Dieu voit la vie de quelqu'un qui est sans la vie de Dieu. Il est comme quelqu'un qui erre dans le désert et sans chemin. Ésaïe 24, 10, à l'obéli pelikambo, à l'obéli la ville, il dit ceci, la ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées et n'y entre plus. Et on n'y entre plus. Azui image dans ce verset, parce qu'ils ont la forme dynamique, il y a le mot tohu bohu là-dedans. Tout simplement que Dieu compare la vie Yamototo et l'okonion son zambazana katite. Dieu compare cela à une maison qui est fermée et dans laquelle personne ne peut entrer. Comme pour dire qu'il n'y a pas de vie. Alléluia. Et mon oyami balé bohu. Et ça, pour renforcer encore le sens. Et là, c'est tout simplement vide. Mais ça vient tout simplement pour renforcer le sens et après mes mots. Et quand les deux mots se mettent ensemble, et ça, pour exprimer une idée nouvelle. Tout simplement pour dire absolument vide. Absolument vide. Bien-aimé, Nzambalingi Bisoming. Je vais chuter en disant que la terre, la forme qu'elle avait, et Zalagi Nango m'a bêté pour Nzambe. Parce que Yebaki Wako Salana Sima, par rapport à la création, c'est cela. L'abîme, et Zalagi Nango m'a bêté pour Nzambe, Yebaki Onini Yako Salana Sima. Pour Nzambe, Zalagi, comme c'était le point de départ de l'œuvre qui devait suivre. Et même Nengoza Siko, Nzambakwe Komona, où toi-même tu te rends compte, il y a Tohu Bohu dans ta vie. Qu'il y a un vide dans ta vie. Que rien ne marche. Pour Nzambe, Azo sont comme point de départ pour Nakosala quelque chose. Alléluia. Et Nzambe pour ça là quelque chose, Azana Nzela Moussousou Yakolekelate, c'est par rapport à 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tango Nzambe, amikotisi na Moussala. Cette terre qui était informe, et bien il causait une certaine forme. Et cette terre qui était vide, Nzambe a dit sango na biloko tolobi. Amen. Et le Saint-Esprit, et ça là qui est en la Bible, que c'est par le Saint-Esprit que Nzambe a ébaki ko comble ce vide-là et donner la forme à la terre. Et aujourd'hui, non seulement nous disons que le Saint-Esprit était là, même le Fils était là à la création pour donner la vie. Vous voyez, quand vous analysez, tout ça là, analyse, je me souviens de cela, je n'ai pas pensé à cela. Quand on était étudiant en théologie, bah, ça a eu son devoir, Moroto analyser. Tout ça, la exégèse, il y a Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était Dieu, etc. Quand on nous dit que tout a été créé par elle, la parole, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on voulait dire? Exégèse, tout ça, là, quand nous avons découvert que Dieu, quand il créait, pour que l'eau soit vie, il devait le faire passer par Jésus-Christ. Alléluia.
Et là, quand nous sommes en bas, qui est passé par Jésus, c'est comme si nous sommes fandi ça qui bomoi. Quand il y a Jésus, peut le quoi ne traverser quand à l'ego le pas na Jésus. Tant qu'on est au bima de l'autre côté suivi. Et pour nous dire bien, maintenant tout en qui na 1 Jean chapitre 5, c'est le fils, celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils n'a pas de vie. Bien aimé, tout comprendre une chose. Que Nzamba lingito sosolete azana makoki ya kokomisa biso de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Même soki bomoino au départ mosalano libota na yo il n'y avait rien. Mais Nzambe azuango lokola mabele mokoza en friche pe alingi ko semer vie na yena kati. Et ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de vous. Et notons qu'il n'y a pas de nouvelle vie ce qui biso toye baté ko pesa bomoina biso pa na Yesu Masia. Et ce qui vit na biso pesa mi na Yesu Masia te. Donc, vivre kaka le désordre, la confusion et tout ce qui concerne le mal, yangwe kozala notre lot quotidien. Alléluia. Mais Nzamba lingie que cette âme qui est vide, cette âme qui est vide par rapport à tout ce qui vient de Dieu, aeba kozwango. Et cette obscurité, zali vide. Nzambazo lingete ye aeba pe ko éclairango par sa parole, par la présence de Jésus dans notre vie. Au commencement Dieu. Bien-aimé, pas en Nzambe, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Makambo suka kaka soki to lali to kufi. Souvenez-vous de ce bandit à la croix. Bazaki mi balé. Moko profita kité na opportunité à se retrouver en face du sauveur, à côté du sauveur. Mais l'autre avait compris que même en cet instant-là, oh bangonyo so bazo kende na kufa, il pouvait être sauvé. Bien aimé, on a condition en athée. Nzamba bazo luko comprendre que Otiaye na première place na vie na yo. Na makambu no Nzamba kota. Na musala na yo Nzamba kota. Na libala na yo Nzamba kota. Vous avez la vie de certaines personnes, ils ont une maison à plusieurs chambres, mais dont certaines ne sont pas, sont gardées pour eux-mêmes. Oye zali que Nzambe n'a pas de gare. Akoki kutu ko kanisa kunate, akoki ko tala kunate. Mais ce que Dieu veut, que bon mot inabi soit complètement épais, ça m'a épais. Et ce que ça a makambo est salé makate. Oye zali qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre les conséquences. Nzambaza après, bien aimé, yako sala que to redémarrer avec lui. Et qui nous accorde la grâce de recevoir la vie qui vient de lui parce qu'il a la vie. Alléluia. Tika nzamba pambola lilobo na kombo na Yesu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonecbco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.